Косет Дакар Мумбаї. 15-й. 14-й Жерар Кассе. Головний тренер Принц Хоуп Мартинс. Des messages de toute la Médina, Saïr Gueye et toute sa famille à la rue 15, angle 6. Nous... Attention. Attention, attention. Attention. On écarte là-bas côté gauche. Sans récupérer par la défense de l'AFC Mono qui. Sereinement, rejoue vers leur gardien de but. Je laisse aller, bah. Attention, cette action à droite de l'AS et d'Amels. Mais ce sera finalement récupéré par la défense de Diamono. Non, il comprendra, c'est pourquoi. Ah aussi, les deux coachs, moi, je ne sais pas pour quelle équipe je vais être aujourd'hui. Du côté d'Abdourahmane et du côté de Ousmane, les deux tout couleur. Remise en jeu, Diamono, dans le camp de l'AS et d'Amels. Débordement là-bas sur un centre, chercher l'attaquant de pointe. Normalement, c'est la défense qui se dégage. Qui va récupérer une sortie de... Ouais, c'était un bon ballon que les joueurs de Diamonos. Ah, son partenaire pour un décalage sûrement. Attention s'il le voit. Ah, il y a une faute. Il a... Franchement, Alassane, je trouve qu'il n'y a pas une équipe qui domine complètement ces 20 premières minutes. C'est équilibré pour le moment, effectivement, entre ces deux équipes dans cette finale. On le rappelle, entre l'AS Diamono et l'AS. Parce qu'à ce rythme-là, moi je dis que ça va arranger l'équipe de Diamono. C'est une équipe que, wow, beaucoup plus âgée, je pense, sur le papier. Donc, demain, ça a intérêt à essayer de mener. Diamono qui effectue un pressing assez comblé, sans paniquer. Regarde, ça joue proprement. Ça joue très bien. Oh là là. Oh, quoi, c'est beau. Daffino qui, côté droit, là, va pouvoir centrer, chercher un attaquant. Attention à cette frappe. Voilà le but. Et le but. C'est sur le poteau. C'est pas possible. Incroyable. La balle de match, il l'a raté. Gaucher, ouais. Attention, c'est parti. Oh, il a mal ajusté sa tête. Il avait bien trouvé un partenaire au premier poteau. Dommage qu'il rate complètement sa tête. Diamono qui a maintenant carrément pris le dessus au milieu de terrain. Ils sont plus habiles techniquement avec le ballon, meilleurs techniquement et tactiquement pour le moment en tout cas dans ces 38 premières minutes. Tout à fait, Alassane. Et ça réfléchit beaucoup plus du côté de Diamono, c'est beaucoup plus calme du côté de Diamono. Donc ça crée beaucoup plus du côté de Diamono. Pour l'instant, il mène au point comme tu le disais tantôt. Même si là, ça repart là-bas côté droit avec l'AS d'Amel. Ça aligne ou pas Alassane, il a 5 secondes, Alassane, ça va vite. C'est pas le haut niveau, c'est pas évident. Donc franchement, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Parce que là, si Damels perd cette finale, bah, ça pourra, je sais pas, ça pourra... Ça va faire tâche, c'est vrai, mais... Tâche, ce serait pas juste, quoi. On en a vu en Coupe du Monde, Alassane, des erreurs d'arbitrage, donc ça ne sera qu'un de plus. C'est l'intérêt au niveau de la FIFA d'avoir un... En tout cas, toujours 0-0 et très bon coup franc donc pour Auguste Malo qui cherche à trouver un de ses partenaires dans la surface. C'est pas fini. Oh là là, la balle qui s'envole au-dessus des cages. Mais c'était très bien joué pour l'AS Diamono qui réagit bien après. Ça a été pendu à l'heure.
Du côté de la Médina, le ministre Abdoulaye Seck, qui a été un ténier latéral droit des Damels, doit se dire, mais où est la vidéo et...